Bonsoir et bienvenue dans le Horror Game Show. Donc petit principe, le samedi soir un peu tard, entre 22h30 jusqu'à 1h, 2h du matin, on va jouer à des jeux d'horreur pour essayer de se foutre un peu la fousse de la mousse. Voilà, ok. Comme j'ai dit avant de tout foirer, je suis très mauvais en FPS, donc on va jouer en mode standard. On va rester en mode gentil, donc on va pas partir en mode facile parce que c'est pas mon délire, mais au moins le mode standard. Donc je vous laisse profiter de l'intro tranquillement. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère. Je vais même disparaître dans 2 secondes. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Oh, ça fait des dingues. Commençant à se sentir observée, vraiment, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Désolé, je vous remets en immersion. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse, mais majestueuse. « Plus on t'en donne, plus tu en veux, » grogna-t-elle. « Maintenant, nous réclamons notre dû. » En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis... ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Voilà comment commence Resident Evil 8. Tu as dit quelque chose ? Rien, je vais la coucher. Voilà, voilà. Donc on va y aller doucement. Tranquille. Regardez un peu ce décor. Alors je tiens à dire que c'est très bien fait. Quand tu seras grande, je te ferai goûter, d'accord ? Ah ouais, carrément, lui... lui veut faire piaf sa fille direct. Quand tu seras plus grand, je vais te faire goûter. C'est chaud, wesh. Oh, Ethan, comme toi, elle vient de naître. Faut te calmer, mon grand. C'est trop, wesh. Alors, oui, j'ai un peu un. Bah, écoute, d'avoir un bébé blanc, ça fait bizarre. Je pensais pas qu'un jour j'aurai un bébé blanc. Ça a été? Elle dort comme un bébé.
Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Eh, hey, bats les pâtes. On t'a dit de tout, de pas toucher. Une recette locale. Waouh. Une chorba. Toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Ah, mais Mia, c'est compliqué, wesh. Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire. Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Et c'est le principal. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Ouh, t'es pas ça. Mia, baisse-toi. Mia ! Je veux pas vous dire, mais je pense qu'elle prend cher. Imaginez, vous êtes là, votre peuple se fait fumer comme ça. Qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? C'est ce qu'on appelle se faire fumer. Voilà. Donc, petit début en... sous pression, ça a commencé tout doucement, mais... R.A.S. Là, ça nous met dans le bain direct. Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Et en fait, lui, toute sa vie, c'est se faire bolos, en fait. Toute sa vie, c'est se faire bolos. C'est se faire traîner, c'est se faire... toute sa vie, en fait. Toute sa vie. C'est un truc de ouf, hein, quand même. C'est fou, hein. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. Ah ouais. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. Aurore Game Show, les gars. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? C'est toi. Dis-moi, elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça? Je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Bon. Le vrai Bayoux commence. Putain. Votre auto. Où sont les taux? Vous avez le colis? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Ah ouais, ouais, il est en train de se rappeler un souvenir, en fait. Je trouve que la main, elle était super bien faite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et let's go, Lego Manege. Cette sensation de noirceur, de danger, c'est bien du Resident Evil. Alors pour les fans du 7, va falloir m'expliquer si vous savez pourquoi on voit jamais la tête de Ethan.
J'entendais pas à droite en plus, parce que t'as l'audio localisé, donc quand le son il est à droite, il est vraiment à ta droite en fait. Salut. Qu'est-ce que ça a l'air bon. Génial. Et comme par hasard, le bon chemin, c'est là où il y a tous les pigeons morts. Bon les gars, on va essayer de trouver des munitions, quelque chose et vite, parce que j'ai pas trop envie de me faire fumer là. Et là. Bon, j'avoue, j'ai eu un petit jumpscare là. Mon cœur, il a fait un petit. Là, je me suis dit, c'est quoi ce bruit là? J'étais tellement à fond dans le truc. Bon là, ça m'a pas étonné, mais le premier m'a grave étonné. Là, mon cœur, il a fait, oh mon gars. Commence à te préparer en fait. Les sons comme je les entends en fait, du coup. Non, ça m'a pas fait trop chill. Je vous dirais vraiment quand je ressens des. Là j'avoue. Ah mais j'avoue là, je me suis dit, j'ai un petit jumpscare là, on va pas se mentir, on va archi pas se mentir carrément. En plus j'ai mon casque, je suis grave à fond là. Genre le mec il a pas assez de place ou assez de force pour soulever l'armoire. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah par contre, un truc que je comprends pas, je suis rentré, c'était la nuit, je ressors, c'est le jour. Mais ce qui s'est passé dans la démo, donc là on va faire toute la première partie de la démo, je pense. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, le blur c'est quand il y a un peu de flou, quand il y a un peu de truc. Bon ça me sort pas totalement de mon expérience, hein, attention, hein, mais je tiens à dire que bon. Je sais qu'il y a un fusil à pompe. Welcome to the village, you know. Bon, on a un couteau déjà. Alors, attends, je sais où est-ce qu'on est. Et j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Merde. Oh, je suis obligé. Bon, ok, ça marche. Non. Du calme. Qui êtes-vous? Et même en ayant déjà vu cette scène-là, il y a eu un accident sur la route. Ça m'a fait un petit jumpscare. Oh non. Ils arrivent. Ils arrivent. C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Non, pourquoi? C'est tout ce qui reste. Prenez-le. Prenez-le. C'est chaud. Putain! Il pleut du sang, les gars.
juste devant toi là, tu vois pas là. Allez, viens, on se tape, négro. Bon, j'ai pas flippé là. Franchement, j'ai pas flippé là par contre. C'est quoi ce bordel? Alors autant je suis pas trop FPS mais j'aime bien Resident Evil. Un coup boulon, c'est bon ça. Alors j'espère que c'est pas utilisation unique parce que ça me fera un peu trop chier. Mon couteau, vous connaissez cette expression, ma bête mon couteau. Voilà. Ça y est, c'est fini. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants. Je disais, ah oui, bah c'est dans Kena où je disais où justement ils auraient dû dissocier la vue, la caméra de la visée et la caméra tout court en fait. Ah, faut que je survive. Ah, fallait juste survivre le temps qu'ils arrivent. Ah ouais. Quoi? Mais non. Eh ben dis donc Ethan, avec la moitié de la main qui te manque, c'est pas chaud. Les gars, c'est pas facile. Maman, il s'est bandé la main en 2 minutes, en 30 secondes, j'ai jamais vu un mec aussi fort en bandage. Il fallait juste survivre en fait. Bon, j'ai récupéré le fusil à pompe. J'ai le fusil normal. J'ai récupéré quelques plantes. Je pense qu'on est vraiment pas mal.
vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose est ici. Bon, soit la Trobeda, vous... Ça va, toi, t'es pas mort. Alors, c'est moi qui vais te chasser maintenant. Un chasseur sachant chasser un bon zombie est un bon chasseur. Voilà. Je l'ai déjà tué en fait, donc. Hey, vous faites quoi ici? Bon, par contre, après, je pense que je vais plus gaspiller autant de balles. Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non, ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. Et alors? Parce que je suis noir, c'est ça? Ils sont fous, les gens. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Thank you.
Alors, je connais un peu parce que là, c'est le moment de la démo. Venez, c'est ouvert. Vite, vite. T'en as mis du temps. Tu rigoles ou quoi? J'ai mis 2 secondes. J'en fous, eux. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. Bah, c'est dur de compter 1, 2, 3, 4, 5 sur quelqu'un. N'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé! Hey, évidemment. Vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Il faut que tu t'accroches, papa. Il saigne tellement. Oui, bah, c'est pas totalement mon problème, en fait. Excusez-moi. Hein, parce que moi, je pense à ma survie aussi, les gars. Ah, ça m'a toqué en plus. Oh là là. Vraiment. Ils se mettent bien ici. Petit repas sous la neige, tout ça. Carré. Bon, allez, on toque. Oh là. Eh oh, y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Non, mais pas en mode facile, non, c'est mort. Crier. Tu vas attirer les monstres. Liliane, du calme. C'est qui lui? Mon ami. Reste où t'es. Papa, je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Non, moi c'est Ethan. Oui. Julian, rends-toi utile. Il va faire une ronde. Allez, votre balade. Qu'est-ce que je viens de dire? Allez, Nacha, Vontagi. Allez, hop, salut. Bien. Génial. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Frérot. Okay, c'est moi qui ai la manette, hein. Tu me fais pas confiance, c'est compliqué. Hein. Attends. Restez ici, je vais voir les autres. Wesh, c'est moi, j'ai la manette. T'es dur. Donc pour bien vous montrer, je n'ai pas changé le niveau du jeu. Je vais rester en normal. Une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Ah mais votre mère Miranda, elle a l'air... hein, bien paro sur les bords. Hein. Ouais, bah laisse-moi feuilleter ton bouquin maintenant. Ça suffit. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y a pas de survivants! Un pauvre... valide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous?
Allez hop. Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. C'est sûr. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana... Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons... Ça fait très secte quand même, hein. Je veux pas dire, mais ça fait grave secte de ouf. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Dinguerie. Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Bon choix. Elena, Elena, non! Il n'y a plus rien à faire! Papa! Tu risques de s'effondrer! Non! Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non, non, on va sortir d'ici tous les deux.
Quelqu'un a vu la clé, les gars? Le feu gagne du terrain. On démarre la voiture. Vous allez faire quoi? On se casse. Je vais tenter quelque chose. Essayez. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a plus le choix, il faut monter. Venez, vite. Allez. Ça va aller. Essayez de ne pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. Excusez-moi les amis, on repart. On repart. J'espère que votre famille est à l'abri. Oui, moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Non, c'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas aller s'affronter. Il y en a trop. Non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Oh. Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Comme on dit, la famille, ça fait pas tout, hein. On choisit pas sa famille. Tenez, eh ouais. Attrapez ma main. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Oh, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde. Est morte. C'est un cauchemar.
J'adore. Alors les maisons bleues, c'est là où j'ai déjà été et j'ai déjà pris tous les objets, et les maisons rouges, c'est là où je dois récupérer les objets. Sera. Non. Allez, je joue encore un petit peu. Et après j'arrête. Je vais m'arrêter là, mais en fait là... La mort leur a tous rendu visite. Ok, génial. Merci la vieille. Et initialement, la démo s'arrêtait ici. On va avancer encore un peu. Tiens, tiens.
pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Toute sa vie, à Ethan, c'est se faire traîner quand même. C'est pas facile. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles et moi-même nous chargerons d'apprécier. Et donc, en gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. Alors, j'ai entendu tous vos arguments. J'aime bien les deux... Certains les deux, étaient moins convaincants que d'autres. J'aime bien les deux... J'ai oublié comment ça s'appelle. Je connais que le mot japonais, le seiyuu. Le comédien de doublage, voilà. J'aime bien le comédien de doublage. De Dame Dimitrescu et de... on ne savait pas encore quoi, mais du mec en question. Mais j'ai pris ma décision. Eisenberg, voilà. Le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Eisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton ego. Bon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci. Lico ! Les messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que je vais vous montrer, Ethan Winters. T'es prêt? Non. Six. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. 4, 3, 2, 1, que le spectacle commence! Ah, putain de merde! C'est ça! Cours pour ta vie! Impressionnant.
recommence. Ah, putain de merde! C'est ça. Cours pour ta vie. C'est très bien, Ethan. Quelle dinguerie, les gars. Ah, c'est chaud. Attends, c'est ces barges qui ont rose. Dinguerie, les gars. Fou, et bah dis donc. C'est chaud, les gars. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir. C'était le Horror Game Show sur RE8. On revient vendredi prochain, ou peut-être avant, je sais pas comment je vais faire. Samedi prochain, je veux dire, excusez-moi, le vendredi, c'est le Solonard. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. Et on s'arrête sur cette dinguerie monumentale où le mec, il est en train de couper ses menottes avec une scie ou... Enfin bref, une dinguerie. En tout cas... On se revoit pour la prochaine. Ce qui est sûr, c'est que là, ce soir, c'est fini. Il est un peu tard.